Donc le rituel d'affection, le rituel de retour d'affection, retour affectif, comme je vous l'ai dit, ça suit son cours actuellement. Donc on va procéder à l'attachement des deux personnes. Suivez bien comment ça se passe. Regardez, c'est comment se fait l'attachement ça. Les deux noms sont inscrits sur le papier blanc et avec des plantes et tout, comme je vous ai dit. Donc on va procéder à l'attachement maintenant. On les unit pour toujours, ce n'est pas qu'ils vont s'unir et après il y aura encore des unions, non. Ça c'est maintenant un attachement dur, un attachement pour toujours, un attachement jusqu'au mariage, jusqu'à la mort. Et pour toujours, personne ne va quitter personne. Donc suivez bien, parce que je vous ai déjà montré une fois déjà dans mes vidéos ce rituel et je vous ai montré comment ça se passe. Donc nous sommes ici maintenant pour présenter le cas pratique. Et vous êtes en train de suivre avec moi comment ça se déroule. Maintenant, on va attacher. Bibla, je t'en dis. Et là, il est là. Il faut en avoir. Donc, l'attachement suit son cours. On va les coudre pour leur montrer qu'ils vont s'unir pour toujours. Et rien ne va les séparer parce que moi, je ne vais pas détacher. Rien ne va les décanter encore. Et avant de faire ce genre de rituel, j'ai bien demandé si l'union là est pour toujours. Si la personne ne va pas venir seulement et tu vas profiter de lui. Non. Et il m'a confirmé et il a demandé ce rituel avec son accord. Je suis en train de réaliser ça. Et je suis en train de vous montrer juste pour que vous puissiez remarquer vous-même que le rituel avec moi, c'est direct et devant les clients. Cette personne est un peu occupée, c'est pour cela que je suis en train de faire derrière lui et je suis seulement en train de vous montrer comment ça se passe, ce genre de rituel de retour d'affection.